Elle est station. Ah, c'est juste en dessous, ok. C'est pour ça. Il y a quelques zombies. Ah, aïe. C'était sûr. Hop. Ah, je crochette si vous pouvez me protéger. C'est ouvert. Ouais, en solo, tu fais comment? T'es obligé de tuer tout le monde, du coup? C'est C pour descendre. Ah! Oh bah, je suis tombé. Mais ça descend bien. Ouais, t'es éteint de la gueule. Ça descend quand même. Ok. On a fait le tour du poteau. Ouais. Ça va se fermer de l'autre côté avec le verrou. Hein. Ah, ah oui, on voit à travers les quelques zombies. Faut oublier qu'on a le temps aussi. De... Ah ouais. Ah, c'est à dire qu'on doit les passer discrètement. Par contre, on passe par où? Il y a un conduit. Ah, ok. C'est moi qui aveugle. Je me posais la question, est-ce que la lampe torche les réveille? Non. Non, je crois qu'au début j'ai fait la lampe torche. Okay. Bon bah, mode... doucement. Il y en a un qui bouge là-bas par contre. Celui qui bouge, il doit nous voir même si on est discret, j'imagine. Ah, c'est pour ça qu'on peut se traverser aussi, je pense. Ah! Il est sur nous ou... Il est devant. Hein. Oh putain. Je suis passé. Je suis dans le tunnel. Ok, maintenant fais attention aux infectés, il pourrait y en avoir quelques-uns. On s'en déconne. Quelques dizaines. Je suis dans la base des pacificateurs. Je vais lancer une fusée éclairante UV par le conduit et tu verras comment atteindre la station principale. Et c'est ça qui va nous recharger, j'imagine. J'ai pris un peu de champignons. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça t'augmente. Hop là, j'ai pas vu que c'était juste là. Ah, y'en a qui bouge. Et on doit aller où, là-bas? Ok. Aïe! Je comprends pas. C'est trop risqué ce que j'ai fait. Thank you.
bon, ils sont tellement peu que à 3 ça se fait bien. Mais... On a perdu un peu de vie par contre. J'arrive pas à le projeter, c'est une normale. J'ai galéré et puis je vais taper dessus, hein, donc j'ai pas le temps de terminer. Ça fait que j'arrive pas à faire tourner donc. Ah, attends, je tente. Oh! Coup de cul. Donc c'est ça, ça, et t'appuies sur H. Quand même comme des débiles. Et loot à l'ampli V2. Ah! Je sais pas si vous êtes. Ah! Ok, direct. Il fonce dessus direct. Finalement, gagne notre temps à faire ça. S'accroupissent pas. Ouais. Aïe! Oh, j'ai pris un coup quand même. Votre arme a été détruite. Ah, oui, donc. Ouais. Il a changé automatiquement. Ah si, j'ai même pas vu qu'il y a un truc là. Ok. On veut tout. Ouais. Ah! Oh non. Oh, mais dis donc, t'as attrapé. Alors, est-ce que je peux sélectionner une arme par contre? Ok, vous êtes parti. Là-bas.
Ok, ensuite ici. Ouf. Je vais pas sauter comme ça, mais ça marche aussi. Oh ouais, on peut passer en dessous. Quel intérêt. Bon, je veux bien. Touche C, c'est pas ouf. Akon, ah. J'ai la fusée éclairante. Oui. Regarde autour de toi. Le tunnel technique vers la station principale devrait être bien aussi. Éclairé. J'ai déjà attiré les gardes à l'étage. Je vais discuter avec eux pendant que tu entres. Ok. Et donc, il y a un coffre là-haut. Vous avez trouvé un médicament ? Oh non. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent médicament, c'est juste le bandage quoi. Okay. Bon bah, continue hein. Ah, c'est mieux avec le micro. Donnez-moi 30 secondes, je reviens. Ouais, non, il y a le temps qui descend. Non, faut se mettre à côté là. Bah non, ça recharge pas. Ah oui, il recharge pas. Ah ok, bon. C'est à usage unique. On va mettre le jeu en pause, tiens. Des leurres, ok. Et du coup, faut que je casse mon... Non, ça c'est pas ça, c'est... Ça. D'ailleurs, les armes blanches font peut-être plus de dégâts maintenant. Oui. Ouais. Au final. Ça va vite évoluer, j'imagine. Oh, une casquette! J'ai looté une casquette, j'ai même pas fait gaffe. Comment ça se fait qu'elles font plus de dégâts? Bah, c'est parce qu'elles sont d'un niveau supérieur, j'imagine, ou... Elles sont toujours niveau 1. Ah ouais, tiens, toujours niveau 1. Hmm. Quelle est la logique? Y a pas de niveau d'objet, d'ailleurs. Vas-y. Ok. Hop, je remonte. C'est parti. Je peux pas. Je peux. Ah ! Oh merde ! Ah, là, c'est bon. C'est pas le même. Oui, bah je pense qu'on va devoir le tuer de toute façon. Plutôt peut-être ? Non ? Non. Ah, et puis y'a d'autres zombies qui sont encore eu, parce que voilà. Non, ça va être la touche. Vous avez déjà tué le boss? Non, c'est pas un boss. Ouais, c'est juste pour introduire un nouveau personnage. Enfin, un nouveau type de... Un personnage, ouais. Nouveau type de zombie. Non. Ok, donc je pense qu'on peut repasser la porte. Je vais crocheter... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ah, on pourquoi ça... Vous pouvez même esquiver. Non, c'est quelqu'un m'a dû me faire annuler, ouais. Oui... Bah non, non, ça m'a éjecté. Juste en train de le faire. Ah! Donc, PV usage unique. Et donc, une. Ouais, c'est bon. Okay. Quand y'a rien en bas. Je suis discret! Écoute, c'est toi qui as mis le truc au sol là? Non. J'ai entendu usage unique. Oui, parce que c'est un usage unique. C'est comme ça qu'on doit lancer, je pense. Ah, c'est peut-être les mêmes. Ah ouais, d'accord, ok. Non, parce que on peut pas se... Quand t'es parti, on pouvait plus remonter notre UV. Sur la lampe là, par contre, oui. Ah, celle-là, oui, elle marche bien. Et on peut la mettre dans la poche, celle-là. Comment t'as dit, un générateur qui va avec.
Bah, Rémi le prend. En fait, il est branché à rien, le machin, donc... Mmh. Bon. Ok... Bon bah... Ouvrir. Discrètement. Tu vas sortir la discrétion. Ah, un coffre. Akon, je suis à l'intérieur. 5 paquets. Vous réfléchissez et je reviendrai. Je veux ouvrir ce truc. Ah oui, effectivement. Je suis sur la plateforme. Ouvre le sas. J'y serai dans une seconde. Il y a trop de défense pour que ce soit calme. Ouvrez le sas qui se trouve... J'ai vos points qui me perturbent parce que... Pourquoi tu fouilles les poubelles? Y'a des trucs dedans. De la ferraille? Ferraille. Ok. On n'a pas l'air d'avoir grand chose à part ça. Et là, les bagages. Ah oui, tu vois. C'est à côté, toi. Ouais. Ouais, mais l'argent c'est surfait, c'est pour ça. Ça sert à rien. Les cigarettes. Ah, ça c'était plus intéressant, je pense. Ah. Dans un autre jeu, ça coûte cher. Ouvrir le sas. Ah oui, mais non, mais ok. Tu fallait qu'on t'aide pas appuyer sur le bouton. Merde. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Super. D'où est-ce qu'il sort? Il se baladait dans les tunnels de la putain de racaille du bazar. Ou plutôt un espion renégat. Ouais. Il a pas la tête d'un renégat. Il est réveillé. Qu'est-ce que tu fais dans notre base ? J'essaie juste de me rendre au centre de la ville. Le centre ? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale vermine. Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu, et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer ? On pourrait commencer par te couper les mains ? Pour te rafraîchir la mémoire, hein ? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours ? Je suis un pèlerin. Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu l'obtiendras pas par la force. Mais, commandant Lucas disait toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports ? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Laissez-nous, sergent. Je veux lui parler en privé. D'où est-ce que tu viens? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 km d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Comment ça se passe dehors en ce moment? C'était quand la dernière fois que t'étais hors de la ville? Environ 15 ans. Alors il y a beaucoup moins de survivants. Et beaucoup plus d'infectés. C'est logique. La plupart des gens supportent de vivre dans cet enfer parce que ce qu'il y a dehors doit être bien pire. Avec ma femme, on vivait en Angleterre. J'avais 2 sœurs et 2 frères.
J'ai plus de nouvelles d'eux depuis 10 ans. Où est-ce qu'ils vivaient? À Londres et dans sa banlieue. D'après ce qu'on m'a dit, Londres n'existe plus. Il reste peut-être 4 camps sur les îles. Putain de merde. Pourquoi j'aurais tué votre commandant? T'as cherché à t'enfuir vers la boucle centrale 4 jours après le meurtre. Et puis, si j'étais Karl, j'embaucherais un étranger pour tuer Lucas. La manière la plus propre. Eh ben, je sais pas qui est Karl. Tu le verras bien assez tôt. Karl, c'est pas le genre à quitter la route des yeux. C'est un connard soi-disant moralisateur qui retourne le bazar contre nous. Alors même qu'on les protège. C'est comment en dehors des murs? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri? Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Vildor. Tu cherches quelqu'un? Je peux peut-être t'aider, mais pas gratuitement. J'ai l'habitude, dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Vildor ne se calment pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazar. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazar, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. Et pourquoi je devrais bosser avec toi? Vous m'avez attaqué et accusé de meurtre sans la moindre preuve. On s'est planté. C'est clair que t'es pas l'assassin. Pourquoi tu peux pas y aller toi-même? Je connais personne ici. C'est précisément pour ça que j'ai besoin de toi. Ils refusent de nous parler. Ils nous voient comme des occupants. Le fait qu'on nettoie les rues désinfectées et qu'on attrape les criminels, ils s'en cognent. Ce qu'ils voient, c'est qu'on boit leur eau et qu'on mange leurs réserves. Mais toi, t'es un pèlerin. Tu peux faire pas mal de choses pour eux. Et en plus, t'es de l'extérieur. Ils te feront confiance. Ils ont essayé de me tuer. Écoute, on est ta dernière chance. Si tu comptes toujours rejoindre le centre, bien sûr. Alors, tu vas m'aider? Bah oui, il nous demande d'enquêter. Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre? C'est pas aussi simple. Vildor a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection, et puis les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas le tueur. Mais si tu trouves le Lazar, je m'en souviendrai. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. Super. On dirait que j'ai pas trop le choix. Oui. Je vais essayer. Fouille un peu. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains vides. Bonne chance. Attends, comment je sors s'il a fermé la porte? C'est ça, pourquoi il a fermé la porte, ça abruti? Ah non, il y a une porte de l'autre côté. Ouais. Ah! Ah, on va nous sécuriser. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas, vous avez tous dit ah! Ah oui, d'accord! Oui, zone sécurisée. Oui, c'est la zone sécurisée qui m'a. J'imagine que c'est la zone où on pourra faire toc toc toc, j'ai quelque chose à dire. On n'a pas le choix, on peut pas aller de l'autre côté. Ah oui, d'accord, il a fermé la porte et nous on rouvre la porte. Bon, le SWAT, hein. Il a disparu. Ah, c'est pour mieux disparaître. Il y a un marchand? Il faut que je sois présent. T'es là? Hé, mon pote. C'est bien que tu sois vivant.
Ouais, j'ai été chopé et interrogé. Bon, ils t'ont pas tué. Retrouve-moi dehors. C'est quoi ce bruit ? Hier, j'ai passé une bonne journée. La seule issue, pareil. Hein. Il y a quelqu'un en vert, là, à mon avis, on peut lui parler à lui. Attends, t'es où, toi ? Il faut que tout le monde soit présent. Ah ouais. J'avais pas vu d'uniforme comme le tien avant. Je suis un coursier. Un coursier ? C'est quoi ça ? Je suis membre de la guilde des coursiers. Je n'en suis qu'un parmi tant d'autres. Si vous êtes aussi nombreux, pourquoi j'ai jamais vu votre uniforme ? On est discret. On nous confie de précieuses informations, et du coup, on fait profil bas. Ton profil n'est pas si bas que ça en ce moment. En effet. Notre quartier général se trouve au centre. Et le seul moyen d'y accéder passe par les tunnels du métro. Les pacificateurs contrôlent le passage. Et ils ne laissent personne entrer ou sortir du centre en ce moment. Tant que ça changera pas, je suis bloqué ici. Quelle merde. Surtout que j'ai besoin d'informations. Je peux rien faire pour toi. On suit un code de confidentialité rigoureux. Seul le maître de la guilde peut partager des informations. C'est donc à lui que je dois parler. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'accéder au centre ? Pas que je sache. En surface, la frontière du centre est un véritable no man's land. La zone a été ravagée par une attaque chimique. Isolant ce district du centre. L'air et le sol sont empoisonnés. Et il n'y a que des créatures horribles qui y survivent. Merde. Je dois trouver un moyen. Peu importe comment. Bonne chance. D'accord, c'est pour ça qu'on peut pas y aller par le haut. Après, on a pas essayé d'aller au bord de la map, hein, mais... On aurait été grillé par les produits chimiques, j'imagine. On aurait même dû commencer à le faire il y a des semaines. Tac. Je posais la question s'il y avait un marchand d'objets un peu plus... qualitatif. Il y a un marchand, mais... Il doit y avoir un marchand. Sur la carte, il y a un marchand, mais... Il est où ? D'accord, il y a plusieurs personnes à parler. Je pense pas que ce soit la bonne idée ce que je fais. Il y a rien d'autre à faire, donc. Je relague ici. Ah, c'est bon. Laisse-moi te dire un truc. Si Aitor trouve pas le meurtrier de Lucas, Jack Matt le pendra personnellement par les couilles. Aitor a beaucoup gagné avec la mort du commandant. Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Rien. Sauf que c'est parce que Lucas est mort qu'Aitor a été promu commandant. Tu soupçonnes Aitor d'être impliqué dans le meurtre de Lucas ? Je soupçonne que si t'écoutes aux portes, tu risques d'y laisser des plumes. Ou pire. C'est qui Aitor ? Attends, vous parlez dans le couloir, les mecs, donc... C'est qui Aitor ? C'est celui qui nous aide ? Peut-être, toi. Bon, Aitor, c'est celui avec qui on a parlé, là. Tout à l'heure. Ah, comment il s'appelle celui qui nous aide ? Akon, ok. Ah, c'est... Akon. Et tu t'appelles comment ? Moi, je sais pas. Aiden. Aiden. Je crois pas que le commandant a été tué par quelqu'un du bazar. Qui d'autre voudrait le voir mort ? On peut dormir ici. Ouais, je sais pas, mais non. Ah, une bande dessinée sur la table. Ok, donc c'est vraiment un camp... Ah, oh, je n'ai même pas vu qu'il y avait ça aussi. Et puis à un moment, ça va être fermé, voilà, c'est ça. Vous ne passerez pas. Ma femme me manque. Ça me manque bon. De cuisiner avec elle. C'est quoi ça ? Voyage rapide. Oh ! Ça existe. Et ça marche comment ? Ben, sûrement entre les colonies et les centres factions, hein. Non ? Je sais pas. Peut-être déjà, peut-être on peut pas l'utiliser, hein, peut-être que... Ah, peut-être le métro est... Oh, je sais pas. Bon. J'ai cliqué un peu partout, mais il y a pas de... Y a rien qui fait référence à un endroit où je pourrais TP. C'est pas actif. Après, c'est pas logique, le métro, vu que le métro est fermé. Bordel, j'ai encore oublié de prendre de quoi grailler en patrouillant.